Professeur Rachid Belhadj, bonjour. Bonjour. Alors, situation épidémiologique au Covid-19 avec la flambée de contamination qui avoisine les 500 et l'augmentation de 10 de décès qui avoisine les 10, on est dans le scénario de la troisième vague aujourd'hui, professeur Belhadj. D'abord, merci pour l'invitation. Bonjour aux auditeurs de la chaîne 3 et particulièrement tout le corps de la santé, soit du secteur privé ou public, qui sont toujours là. Effectivement, nous vivons. Je parle du CHU Mustapha et des CHU d'Alger, puisque nous suivons la situation de près, sur le terrain. D'abord, c'est des chiffres noirs, c'est-à-dire ce n'est pas des vrais chiffres, c'est des chiffres noirs. Il nous est difficile d'avoir le vrai chiffre en matière de contamination. Deuxièmement, ce que nous sommes en train de vivre, presque le scénario identique, ce qui s'est passé durant la deuxième vague de l'été juin-juillet 2020, avec quelques particularités. Les particularités, maintenant, ça commence à toucher les sujets jeunes, et aussi les formes, elles sont beaucoup plus intenses, notamment en matière de lésions, selon nos collègues qui sont sur le terrain. C'est des personnes qui viennent chez nous avec une gêne respiratoire, et qui demandent des lits d'hospitalisation pour l'oxygénothérapie. Et nous assistons aussi à une forte demande, notamment le soir, en lit de réanimation. En clair, c'est une troisième vague, professeur Belhadj, pour le dire les choses franchement. Pour nous, nous sommes en train de vivre une troisième vague due au Covid, avec presque les mêmes indicateurs, le nombre de décès qui augmente, le nombre de consultations qui augmente, une demande très très accrue pour les lits de réanimation et aussi des lits d'hospitalisation. Au niveau des hôpitaux, c'est la saturation. Nous sommes en train de vivre, c'est des foules hein, pour le CHU Mustapha. On a ouvert hier deux services. Et bien, au bout de 48 heures, les 27 lits mobilisés sont complets. Aujourd'hui même, nous avons une réunion urgente à 13 heures pour instruire l'ensemble des services. On a déjà établi un plan, le plan A, B, C et D. Nous allons passer au plan C, c'est de mobiliser tous les services qui ont déjà pris le Covid, qui sont au nombre de 13 services qui vont prendre en charge. Nous allons passer des capacités à 300 lits d'hospitalisation et 80 lits de réanimation. Donc nous sommes en train de vivre le même scénario, je le confirme, le scénario de l'été passé avec ces décès, avec cette pression, notamment aussi, ce qui nous inquiète un petit peu, nous sommes en plein été, nous sommes en bord de l'été, on est le 4 juillet, situation un petit peu particulière aussi sur le plan sanitaire, il y a cette sécheresse, il y a une crise de l'eau, il faut le dire, et qui va se répercuter négativement sur l'hygiène en général. Et qui dit hygiène, si les facteurs d'hygiène ne sont pas respectés, eh bien, ça va être aussi un facteur aggravant d'une pandémie. Alors le personnel médical est en situation de burn-out, des appels ont été lancés via les réseaux sociaux pour recommander d'observer la vigilance. Ils ne veulent pas vivre, ils le disent clairement aujourd'hui, un scénario similaire à celui de l'année dernière où ils ont dû être très loin de leur famille et vivre et voir les leurs aussi parmi le personnel de la santé qui sont au premier rang pour lutter contre cette pandémie, mourir. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui, professeur Rachid Belhadj? Les médecins sont complètement en situation de burn-out, de fatigue maximale. Nous avons aussi un autre indicateur, c'est que le nombre de contaminations du personnel de la santé, tout corps, tout grade confondu, ne cesse d'augmenter. Nous sommes donc DAPM, on reçoit des rapports de la médecine de travail. C'est pour les gens qui le déclarent, hein. Ça a une moyenne de 7 à 8 contaminations par jour. Et ça n'est pas personne, des médecins, des infirmiers, des ambulanciers, des administrateurs. Donc ce qui nous inquiète, donc ça va se répercuter sur nos effectifs. Il faut savoir, il nous est difficile de gérer en période d'été. Burn-out professionnel, les gens sont surmenés, nous sommes au 16e mois d'une pandémie. Il faut que les gens récupèrent, il faut que les gens prennent aussi leur congé. Il nous est difficile de pouvoir gérer, de remplacer justement un infirmier ou un médecin malade. Donc nous demandons à la population de prendre conscience de cette situation sanitaire très particulière
il y a l'union de plusieurs facteurs qui ne font que compliquer les choses. Et pourtant, on n'a pas cessé. La première vague, on était dans la sensibilisation, on était dans la solidarité, on était dans la compréhension. La deuxième vague, on était dans l'organisation de faire face à l'urgence, surtout en matière de lits d'hospitalisation, de réanimation et de prise en charge. Vous vous souvenez, au début, on avait des problèmes, des moyens de protection, de médicaments. Maintenant, ce n'est plus le cas. Deuxième vague, il y avait le problème de l'oxygène. Nous nous sommes déjà adaptés à ces situations-là. Mais quand même, on est en troisième vague. Le personnel de la santé tire la sonnette d'alarme, de dire aux gens, s'il vous plaît, puisque en dehors, on voit qu'il y a des comportements, parfois, ça frôle un petit peu des comportements paradoxaux, des comportements, voire même schizophréniques, de certains individus qui mettent en danger leur vie, la vie de leur famille aussi, la vie de nos concitoyens. Alors les facteurs aggravants aussi, c'est les différents variants. Aujourd'hui on parle du SARS-CoV-2, c'est ça aujourd'hui le danger, puisque au niveau de l'Institut Pasteur, on parle pratiquement d'un nombre de contaminations au alpha plus, il serait pratiquement 7 à avoir contracté ce variant à Alger. Effectivement, c'est-à-dire la source officielle, c'est l'Institut Pasteur, qui est le seul habilité à donner ces informations. Ça n'a pas été encore donné officiellement, mais l'information m'a été communiquée. Nous sommes, nous, en tant qu'hôpital universitaire, notre seule source, hein, c'est-à-dire officielle, c'est l'Institut Pasteur. Il y a aussi le comité scientifique qui gère, au niveau du ministère de la Santé, qui gère cette situation, qui nous donne des informations. Et sur le plan national, il nous est très difficile de pouvoir gérer justement ces informations-là. C'est des détails trop techniques. C'est pas donné à tout le monde de se prononcer, de dire c'est comme dire qu'il y a un variant algérien ou non. C'est laisser les spécialistes se prononcer. Mais vu cette vague, et ça a touché aussi les gens qui ont déjà fait le Covid, même pour une troisième fois, avec une forme plus dangereuse que la première, nous pensons effectivement qu'il y a la possibilité de l'avènement d'un nouveau virus mutant qui est en train de se propager, avec plus de virulence, plus de contamination. Il touche les jeunes également. Et il touche les jeunes. Tant que légiste aussi, nous avons constaté que la mortalité durant la première vague et la deuxième vague, elle touchait des personnes âgées, des gens qui ont des comorbidités, telles que l'obésité, l'hypertension, le diabète. Maintenant, nous assistons, elle touche aussi des sujets jeunes. Si je suis jeune en parfaite santé, c'est-à-dire aucun antécédent médical, c'est quelque chose d'extraordinaire et voire même inquiétant. Au bout de 48 heures, le patient il passe de 20% d'atteinte pulmonaire à 60% et désature rapidement. Et malgré tous les soins mis en jeu, hélas, le patient décède. Alors l'alternative, la vaccination, mais le problème exprimé même par le directeur général de l'Institut Pasteur, qui était l'invité de la rédaction la semaine dernière, c'est qu'il y a aujourd'hui une sorte de réticence et refus de la vaccination. Est-ce qu'il va falloir rendre un peu quelque part obligatoire cette vaccination pour aller vers une immunité collective? Certains pays sont en train de l'exiger aujourd'hui et la rendre obligatoire. Avec bien sûr le pass vaccinal. Nous, tant que médecins professionnels de la santé avec certaines expériences, certes, la vaccination c'est un acte médical, il y a le libre choix du patient, c'est un principe sacré. Mais si tous les indicateurs de la santé nous interpellent de dire que la situation commence à devenir dangereuse, inquiétante, nous pensons, nous ne sommes pas à la première vague pour dire aux gens où vous devez être vaccinés, nous sommes quand même à la troisième vague, on n'est pas à l'abri. Nous sommes en train maintenant, en tant que médecin, d'illusionner, de dire qu'un jour, quand est-ce que cette pandémie va s'arrêter, pour qu'on puisse continuer à faire nos tâches statutaires, c'est-à-dire enseigner, former, vivre, prendre en charge les autres patients, ça commence à devenir très très inquiétant, d'où le burn-out professionnel. On n'est pas en train de gérer une crise sanitaire de 2 mois, 3 mois. Nous sommes au 16e mois. 16e mois Covid, vous vivez tout le temps 24 sur 24, 7 sur 7, il n'y a pas de congé, et bien c'est des situations inquiétantes. Nous pensons que la réflexion, on va passer de l'éthique à la déontologie, c'est d'y aller vers le juridique. Nous sommes en train de penser ce qu'on appelle de l'injonction thérapeutique, quand même si la situation commence à devenir inquiétante pour la sécurité sanitaire des Algériens, je regrette, certains corps doivent être vaccinés obligatoirement par la loi, sauf bien sûr s'il y a des contre-indications formelles à la vaccination,
nous pensons qu'il y a des corps très sensibles qui doivent être vaccinés. Et en plus, nous sommes Algériens, nous vivons, nous ne comprenons pas comment nos médecins, professionnels de la santé, on cesse de crier, de leur demander de se faire vacciner, même vous, vous nous aidez énormément. Il suffit qu'une institution, un autre pays, par exemple, pour un visa, pour une autorisation d'entrée d'un pays, et bien tout le monde va se ruer pour la vaccination. Ça, c'est un comportement qu'on n'arrive pas, à le comprendre. Il s'agit de la sécurité des Algériens. Je le regrette, la sécurité des Algériens n'est pas individuelle, elle est collective. Mais qu'est-ce qui justifierait cette réticence à la vaccination qui est constatée même parmi le personnel de la santé? C'est la raison pour laquelle vous recommandez aujourd'hui, pour certains corps, l'injonction médicale, c'est-à-dire rendre obligatoire cette vaccination, professeur Belhadj. Au début, nous sommes passés, je vous dis, maintenant, on commence à parler de l'histoire du Covid. L'année passée, la première, on s'est dit, le virus est là, la pandémie, le personnel de la santé n'était pas vraiment touché. Deuxième vague, le virus a touché pas mal. Hein. Pour le CHU Mustapha, je peux vous donner des chiffres, nous avons atteint presque 38% de notre personnel était contaminé. Ça, c'est important. Et paradoxalement, 18% se sont fait vacciner. Donc il y a cet écart inquiétant entre le nombre de personnes contaminées, et ça reste aussi un chiffre noir, et le nombre de vaccinations. Il est à la troisième vague, je pense qu'il y a, pour le personnel de la santé, commence à prendre conscience du vrai danger de ce virus, de cette maladie. Et bien les gens commencent à demander à se faire vacciner. Il y a même maintenant... On disait qu'il n'y avait plus de nuit de vaccins. Maintenant, nous avons quand même des vaccins qui sont, trois vaccins qui sont disponibles. Nous pensons, nous interpellons tout le personnel de la santé, soit du secteur public et privé. Il ne faut pas l'oublier. Si le secteur privé va nous lâcher en cette période d'été, en matière de consultation, puisqu'on va passer à tout Covid, si le secteur privé va fermer ses portes, ne pourra pas prendre en charge, par exemple, la population en matière de consultation, en matière d'intervention, on risque d'avoir une situation très très difficile à gérer. Mais je voudrais relever une sorte de contradiction dans vos propos, professeur Belhadj. Vous dites aujourd'hui qu'il y a une prise de conscience du personnel de la santé sur la nécessité d'aller se faire vacciner. Vous avez donné même des chiffres, 38% de contamination l'année dernière, seuls 18 se sont fait vacciner. Vous donnez l'exemple bien sûr de l'hôpital Mustapha, mais parallèlement vous parlez d'une réflexion qui est en train aujourd'hui de germer, qui concerne les jonctions médicales. C'est pas une sorte de contradiction? D'un côté, ils sont conscients, et d'un autre, il y a nécessité d'aller vers cette injonction. C'est-à-dire que la conscience n'est pas une vitesse importante. Les chiffres sont là, pas une forme de contradiction, mais nous gérons des situations, nous voulons atteindre justement un taux de couverture presque à 95%. Qui concernerait spécialement le personnel de la santé ou du secteur public et privé. Commençons par le secteur. Il y a aussi des autres corps sensibles. Il n'y a pas que la santé. Il y a d'autres corps qui sont importants pour la gestion d'un pays qui doivent aussi se faire vacciner. Les services de sécurité. Il y a tout le monde. On était, je vous disais, on était dans le principe déontologique, le respect de la décision de la personne. Je vous dis que c'est un acte médical. Mais vu ces éléments, c'est-à-dire le nombre de contaminés, le nombre de décès, le taux de vaccination, et le taux de contamination, ne pensant que l'ensemble de ces éléments nous ramène à réfléchir sérieusement sur l'injonction thérapeutique, c'est-à-dire du vaccin. Alors, il y a aujourd'hui, ce qui est constaté, c'est un relâchement généralisé par rapport aux mesures barrières ou aussi aux mesures de protection, comme par exemple le port du masque au niveau des plages, au niveau des restaurants, au niveau des marchés, même au niveau de la mosquée. On a vu, par exemple, la diffusion de la prière de vendredi où 1 sur 3 ou 1 sur 5 portaient seulement le masque. Est-ce qu'il va falloir aussi qu'à ce niveau-là, les autorités interviennent, comme ce fut le cas l'année dernière, rendant obligatoire le port du masque dans les public. Vous êtes en train de toucher le vrai problème. Le vrai problème de la présence depuis presque 16 mois de cette pandémie. Il y a même des mariages clandestins qui sont organisés avec 200, 300, 400 invités. Nous, en tant que professionnels, nous avons participé depuis longtemps.
cette politique de sensibilisation de la population contre la violence routière, contre le tabagisme, contre la violence, contre la toxicomanie. Et je vous dis qu'il y a une seule politique qui a marché, c'est celle de la ceinture de sécurité. Les âgés ont compris maintenant. Parce qu'on touche à leur poche. On touche maintenant, il y a dans un barrage, si on constate que vous ne portez pas, vous ne mettez pas votre ceinture de sécurité, ben vous verbalisez, on vous enlève votre peine déjà. Donc on doit faire la même chose. Si quelqu'un ne porte pas la bavette et ne respecte pas, il faut que l'autorité publique agisse. On doit passer de l'étape de sensibilisation à l'étape aujourd'hui de l'application stricte des mesures. J'appelle à tous les Wallis justement à remobiliser ce qui a été déjà fait durant la deuxième vague, ça a marché. Nous constatons qu'il y a un relâchement généralisé avec, je vous dis, des conduites, m'excusez du terme, psychiatriques, c'est paradoxal. Nous sommes en pleine crise sanitaire dans l'hôpital, il y a une demande accrue de l'hydratation, il y a des gens qui souffrent, vous sortez à deux pas, et bien les gens se permettent d'organiser des fêtes, des rassemblements, des dîners dansants dans les restaurants. Des plages. Alors, professeur Rachid Belhadj, moi je voudrais revenir avec vous encore une fois sur cette situation épidémiologique qui prend un peu aujourd'hui, qui connaît une augmentation sensible, qui avoisine pratiquement les 500 cas de contamination. Mais quand on parle de 500 cas de contamination, les gens oublient que la veille, il y a eu aussi pratiquement l'équivalent de 500. L'avant-veille également 500, c'est-à-dire sur une semaine ou sur 10 jours, vous avez quand même 5000 contaminations au Covid-19 qu'il va falloir prendre en charge au niveau des structures hospitalières, bien sûr, avec certains cas qui compliquent et se retrouvent au service de réanimation saturé, totalement saturé, puisqu'on a des capacités équivalentes à 500 lits pratiquement. Nous sommes dans une situation parfois inhumaine. On n'arrive même plus à trouver des places pour des personnes qu'on connaît. Il nous est difficile de le dire, attendez que quelqu'un décède, on libère une place. Ça, c'est pas normal. Il y a aussi des problèmes, les aléas de la réanimation. C'est-à-dire, il faut que la personne soit nettoyée, il y a une prise en charge. Parfois, la famille demande de les assister. Donc, nous gérons parfois des situations très difficiles. En réanimation, au moment où il y a une personne. Gestion de l'oxygène aussi. Toute une équipe qui doit gérer cette situation. Et on voit constaté, en Tunisie, ils n'ont même pas d'oxygène. Heureusement que l'Algérie, comme d'habitude, nos frères tunisiens, on les a toujours aidés, la Chilie elle les a aidés en matière de dotation en oxygène. Donc pour revenir aussi à la gestion des personnes qui sont en difficulté aiguë, c'est-à-dire en matière d'oxygénothérapie, c'est parfois aussi le transfert de ces patients-là qui sont en difficulté respiratoire vers les grandes structures d'hôpitaux universitaires. C'est notre SAMU, il est saturé. Le SAMU, parfois les gens attendent 3 heures, 4 heures pour pouvoir transférer un malade, même parfois en intramuros. Donc on commence à s'organiser, nous sommes en train de préparer ce qu'on appelle le SAMU interne pour gagner du temps et sauver des vies humaines. Alors la recommandation du comité scientifique, c'est priorité au Covid-19, c'est-à-dire il va falloir aujourd'hui transformer certains services en Covid-19 pour la prise en charge des malades. Ce qui va aussi pénaliser certaines autres pathologies. Les cancéreux aussi ne peuvent pas attendre. C'est pour ça, je vous ai dit, c'est le terrain. Je parle en tant que DAPM. Il nous est difficile, justement, pour des services, pour que la neurochirurgie, l'ORL, la chirurgie générale, la chirurgie thoracique, la maxillofaciale, de leur dire, écoutez, arrêtez. Nous allons transformer vos unités vers des unités COVID. Et la question, c'est-à-dire le questionnement, que va-t-on faire devant cette demande déjà importante en matière de prise en charge? Nous recevons des malades un peu partout, surtout en matière de cancérologie. Et bien, c'est ce qu'on appelle, on diminue la chance thérapeutique pour ces gens-là d'être pris en charge. D'où l'intérêt, je vous dis, qu'il faut trouver des solutions, que l'État doit aider ces gens-là, qu'ils soient pris en charge, soit dans le secteur privé, comme on l'a fait pour les accouchements. Ça se passe très bien pour le moment, l'État assure, on n'a plus de ce rush des situations, vous vous souvenez, celle de 3-4 femmes sur un même lit. Maintenant, ce n'est plus le cas. Puisque le privé je pense, durant cette période-là, il faut essayer d'aider le privé, il ne faut pas le laisser tout seul. L'État doit aider le secteur privé pour justement prendre en charge correctement ces malades-là.
Nous sommes désolés, mais pour le CHU Mustapha, même les autres grands centres hospitaliers universitaires, la plupart des services vont se transformer en unité Covid pour faire face à cette forte demande d'hospitalisation. Heureusement, nous avons doté la plupart de nos services des lits avec des sources d'oxygène, avec des CPAP, etc. Nous gérons, nous avons cette expérience. Reste maintenant des vrais lits de réanimation qui nécessitent quand même toute une organisation, un personnel spécialisé, un personnel aussi d'appoint pour aider, par exemple, pour la toilette de la personne. Là, on a des difficultés à pouvoir gérer ces situations-là, surtout devant la contamination de notre personnel, devant le burn-out professionnel qui commence à s'installer de manière insidieuse. La directive a été donnée aux hôpitaux pour transformer toutes les unités en unités Covid. Oui, depuis la réunion, il y a eu une réunion jeudi, pour le CHU Mustapha, nous avons pris toutes nos dispositions. Après, nous avons ouvert deux services le vendredi et ce dimanche, nous allons ouvrir encore deux services, une réunion à 13h d'urgence, où nous allons mobiliser 300 lits de prise en charge pour le Covid. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette réticence à la vaccination ? Professeur Belhadj, est-ce qu'on peut donner des explications? Même parmi le personnel de santé, il y a parfois des réticences qui sont exprimées. Parfois, elles sont fondées, d'autres fois infondées, professeur Belhadj. Je vous dis, il y a de bonnes notes. Puisqu'on est passé d'une situation où on n'avait pas de vaccin, maintenant on a des vaccins et on n'a pas de problème. C'est qu'il y a eu aussi l'individu, il est pollué par des milliers d'informations à travers les médias. Et les réseaux sociaux. Les fake news. Les fake news. Comme celui qui a montré les mains au niveau de l'épaule. Normalement, c'est des comportements inadmissibles. Si quelqu'un ment, il est en train de montrer des choses qui ne sont pas vraies. La justice doit s'auto-saisir. Exactement, de ces comportements qui sont nuisibles et portent atteinte à toute une campagne. De campagne sanitaire indispensable. Je le répète, tous les professionnels de la santé sont en train de dire à travers le monde, vaccinez-vous. Ça, c'est important encore une fois. Ils ne vont pas tuer leur peuple aussi, en leur ordonnant aujourd'hui la vaccination, ou les incitant à la vaccination, parce que certains vous disent aujourd'hui, on va se faire vacciner, on va mourir dans 2 ans. On disait que ce virus, il a un cycle biologique de 2 années, 24 mois, etc. Mais nous constatons que nous allons encore vivre qu'avec le Covid. On ne va pas se revoir d'ici 6 mois de parler de lits de réanimation, de Covid, de décès, etc. On doit trouver une solution. Une solution, et parmi les lignes des solutions, il y a la vaccination, mais la meilleure solution, c'est un comportement civilisé de la population. L'exemple chinois. Pourtant, la pandémie a commencé en Chine. La Chine, on ne parle plus maintenant du problème de Covid. Il n'y a plus de cas de contamination aussi. Exact. Même au niveau du foyer. Mais pourquoi ? Même au niveau de la vie de Louane. Le respect des règles élémentaires. Le civisme de la population. Il y a aussi les règles d'hygiène. C'est-à-dire qu'avoir nos restaurants, nos rues. En plus de cela, il y a l'été, avec les conditions climatiques extrêmes, et aussi il y a la pénurie de l'eau. Tous ces facteurs-là nous inquiètent. Nous, en tant que professionnels de la santé, nous sommes en train de gérer, on avait l'habitude de gérer durant l'été, les intoxications alimentaires, les conjonctivites, les erreurs des personnes âgées, les accidents de plongée, etc. Maintenant, nous allons gérer aussi ces cas-là. On est en train de prendre en charge les personnes âgées qui nous posent problème durant l'été. Mais quelle est la différence aujourd'hui entre le Covid tel qu'on l'a connu au début de la pandémie, il y a pratiquement de cela 2 ans, avec bien sûr le foyer de contamination qui est parti de la ville de Wuhan en Chine, à celui qui a aujourd'hui complètement muté avec le variant Alpha? Il est beaucoup plus mortel, le variant aujourd'hui, puisqu'on a vu que toutes les personnes qui arrivent à choper ce variant, malheureusement, décèdent. Le constat, plus virulent, avec des lésions importantes, plus contagieux, et commence à toucher ce sujet. Le message est clair. Il n'y a pas, c'est-à-dire, de signes annonciateurs. Avec des formes cliniques, au début, vous vous souvenez, on parlait d'anosmie, c'est des problèmes de l'odorat. Courbatures, fièvre, c'était. Maintenant, c'est un autre tableau. Un symptomatique.
des formes trompeuses. Hein. On a l'impression que c'est une petite grippe. Une petite grippe, mais vous pouvez basculer rapidement, c'est-à-dire vers la décompensation. D'où l'intérêt maintenant, les PCR sont là, les tests antigéniques sont là, le scanner on fait, hier on a fait, mais on fait un compte rendu, on a fait presque 92 scanners. Donc il n'y a pas de problème de prise en charge ou d'exploration, ça reste le problème justement de cette incivilité sanitaire de nos concitoyens. Mais par rapport aux tests antigéniques, est-ce qu'on peut considérer que les entreprises pourraient aujourd'hui, par exemple, qui emploient 1000, 2000, 3000 personnes, l'exiger à l'entrée de leur établissement pour éviter une large contamination parmi son personnel, même si parfois c'est quand même inévitable? Je pense d'abord qu'il faut qu'elle exige le port du masque. Elle exige ce qu'on appelle le respect de la distanciation, le respect du lavage des mains. C'est exigé, mais ce n'est pas respecté. Voilà. Comment y aller vers quelque chose de technique, d'y aller vers, de faire chaque jour des tests antigéniques, ça coûte. C'est traumatisant aussi hein, pour la personne de subir des tests où vous êtes en train d'agresser son corps, mais quand même, certaines institutions... Agresser son corps, c'est mieux que la mort aussi. Bien sûr. C'est pour ça, l'ensemble, nous devons y aller, surtout nous insistons, le respect des règles d'hygiène élémentaire. Le respect de la distanciation. Impliquer les mosquées, par exemple, les imams, sur la nécessité d'aller vers une large vaccination de la population, puisque vendredi, on a vu la retransmission de la prière de vendredi, je vous ai dit, et je l'ai vu personnellement, une personne sur 10 portait le masque. C'est pas normal. C'est pas normal. Normalement, nous sommes musulmans, nous sommes là pour aider. Il faut impliquer les imams pour cette campagne de vaccination. Durant même pour la première fois qu'on a impliqué les imams. En Arabie Saoudite, pour bien sûr la réouverture de leurs frontières et permettre la Umrah ou le Hajj, ils vont aller vers bien sûr l'obligation du carnet vaccinal. C'est sûr, ça c'est tout l'ensemble des pays, hein, pas que l'Arabie Saoudite, mais eh ben, les gens, j'en suis sûr, qu'ils vont se ruer vers les centres de vaccination. Ça c'est un comportement qu'on n'arrive pas à. Protégez-vous, protégez d'abord votre population avant de protéger l'autre. Parce que ce sont des mesures pour protéger leur population. Se protéger soi-même pour vivre d'abord. Exactement. Non, on doit avoir cette culture, c'est-à-dire être au-dessus. C'est de protéger toute une nation, tout un peuple, pour protéger les êtres les plus chers. On reçoit des familles où c'est les jeunes qui étaient à l'origine du décès de leurs parents. Ils les ont contaminés. Alors vous avez cette question de l'auditeur qui dit, pour faire prendre conscience aux gens pour la nécessité d'aller se faire vacciner, il faut donner l'exemple, il faut que les personnes vaccinées se fassent en public, il faut médiatiser aussi la vaccination des personnages publics. On a vu le Premier ministre sortant qui s'est fait vacciner en présence bien sûr de caméras, le ministre de la Santé, autre personnel aussi de la Santé, vous-même, professeur Bertin, vous avez mis vidéo sur les réseaux sociaux. On était parmi les premiers à être vaccinés. Parmi les premiers à être vaccinés, peut-être on va demander à M. Belmadi ou Mahrez de se faire vacciner, que les gens vont les suivre. On l'a déjà fait. On n'a pas cessé d'interpeller notre population, d'interpeller les jeunes, d'interpeller les personnes vulnérables à se faire vacciner et respecter les règles barrières. Est-ce qu'il existe aujourd'hui un programme de priorisation, donner priorité à certains corps, par exemple la police, son milieu, le milieu hospitalier, personnes plus âgées de 55 ans? Pour la vaccination? Maintenant, le ministère de la Santé, donc l'installer les chapiteaux, il y a même des véhicules mobiles pour la vaccination. Nous sommes en train maintenant de courir derrière les gens. Ils ne veulent pas venir se faire vacciner. C'est tout durant l'été, nous tranquillisons la population. Même en matière de données scientifiques, pour le moment, on n'a pas eu de décès hein, en rapport direct avec la vaccination. On n'a pas eu quand même des incidents. Il y a une cellule qui surveille justement tous les incidents majeurs et mineurs de la vaccination. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit « Je travaille à l'hôpital et je vous promets que l'accès au vaccin est difficile, même pour nous, médecins. » C'est le cas, professeur Belhadj, alors vous disiez tout à fait le contraire tout à l'heure, au début de cette émission. Je suis DAPM, on pourra même lui faire la vaccination, si c'est possible, on va se déplacer chez lui. Le vaccin, il est disponible au CHU, pour le CHU Mustapha, il est disponible. Nous avons justement organisé 3 périodes de vaccination. Parce que ça demande toute une organisation. Tout médecin, maintenant la vaccination pour le CHU, elle se fait au niveau de la médecine du travail.
et le vaccin est disponible. Voilà, même la radio va lancer une large campagne de vaccination pour son personnel. Voilà. Alors, vous avez des indicateurs phares tels que les résultats des enquêtes épidémiologiques, le nombre de tests quotidiens et la vaccination quotidienne ne sont jamais médiatisés. Pourquoi, professeur Belhadj, est-ce qu'on devrait donner, par exemple, ces réels indicateurs pour que les gens puissent comprendre que la situation est vraiment grave, puisque même certains pays aujourd'hui sont en train de revenir aux mesures de confinement, comme c'est le cas actuellement la Tunisie, qui en quelques jours a connu une flambée de contamination. Nous, en tant que syndicat, je réponds qu'en tant que syndicaliste, nous avons toujours demandé à notre tutelle, c'est-à-dire au ministère de la Santé, à ce comité scientifique, justement, de communiquer. Je pense que M. Fora, dans chaque jour, hein, depuis presque 16 mois, il faut lui rendre hommage. Il donne des chiffres, mais communiquer avec qui? On a l'impression que la communication, ça tourne autour du personnel de la santé et quelques secteurs. C'est-à-dire le citoyen n'est pas à l'affût de l'information sanitaire. Ça demande le décalage, il est à ce niveau-là. Il faut que toute la société civile, tous les secteurs participent avec nous dans la sensibilisation et l'information. Alors, vous avez aussi cette question sur la sensibilisation de l'auditeur qui vous dit « Le manque de sensibilisation ne donne aucun résultat face à l'inconscience et l'incivisme chronique qui frappe la société. Il doit être obligatoirement revu, bien sûr, ce mode de sensibilisation. Et il faut civir et agir. » Je vous dis maintenant. Parce que cette inconscience a un coût aujourd'hui, professeur. Bien sûr, je ne vois pas pourquoi le législateur... C'est tout le pays qui est paralysé, bien sûr, avec le risque de mort d'individus. Vous contractez le virus, vous tuez un autre. Exact. C'est prouvé. Le législateur est en train de réprimer toute conduite dangereuse sur nos routes. Et pourquoi pas maintenant? On doit y aller, ça fait quand même 16 mois, nous sommes en troisième vague, il faut que l'État doit civil contre des comportements vraiment criards. C'est notamment l'ouverture, par exemple, des restaurants, l'ouverture de salles de fête, des gens qui ne respectent pas les décisions qui ont été prises par les Wali, notamment en matière d'éviter les attroupements de masse. Alors, un retour à un reconfinement, est-ce qu'il pourrait être envisagé si cette troisième vague prend aujourd'hui des proportions inquiétantes, professeur Belhadj, pour protéger bien sûr la population? Ça, c'est sûr. Si le nombre de décès augmente, le nombre d'une tension très importante, ça va être le langage des chiffres, nos hôpitaux vont être saturés, nous allons demander, nous, en tant que professionnels de la santé, sur le terrain, au ministère de la Santé, d'y aller vers un confinement. Le personnel de la santé le souhaite aujourd'hui, professeur Belhadj, en disant les choses franchement? Pour le moment, c'est-à-dire que ce qu'on demande, ce qui nous concerne, c'est le respect, toujours encore une fois, respect et vaccination. Nous sommes à ce stade-là. Maintenant, la décision de confinement, de reconfinement, elle appartient à d'autres autorités. Nous avons toujours émis des avis, mais si la situation sanitaire se dégrade durant cette période de l'été, je pense que c'est nécessaire d'y aller vers un confinement, c'est-à-dire y aller vers un confinement partiel, comme on l'a fait. Au lieu de 22h, on va aller vers 17h ou bon. Alors, vous avez aussi ce cri d'alarme qui a été lancé par le professeur docteur Mohamed Youssefi, où il parle, il interpelle les autorités à agir et agir rapidement, on le voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, bien sûr, docteur Belhadj qui est plutôt Youssefi qui est en première ligne puisqu'il est au niveau de l'hôpital d'Oubou-Fari qui dit où sont les autorités aujourd'hui pour surveiller ces mariages clandestins, ces enterrements aussi qui se font avec une importante présence de personnes. La situation est extrêmement grave. Nous avons des familles entières qui sont aujourd'hui hospitalisées. Relâchement total. Tout à fait d'accord. La RS en live, sur les réseaux sociaux, on le voit. On voit les cortèges aussi nuptiaux qui défilent au niveau de la ville avec des feux d'artifice pratiquement toute la nuit. Un relâchement total et généralisé. Même au niveau des plages, on organise des fêtes aujourd'hui. Tout à fait d'accord. Avec Mohamed qui est infectiologue à Boufarik, c'est le point de départ. Il a lancé un cri d'alerte. Il a tout à fait raison. Il a dit qu'on ne pourra pas surmonter. Aussi nos collègues réanimateurs, il faut les voir. Ils sont dans une situation vraiment de burn-out. Le professeur Hamidi de CHU Blim Soussine a dit que la vérité, c'est un homme de terrain.
c'est des gens qui sont là, veulent travailler, donner plus d'efforts. Aux autorités d'agir aujourd'hui. Ils doivent nous aider. Je regrette, Covid n'est pas que la santé. On ne pourra pas y faire face. Nous avons déjà payé un prix lourd, soit du secteur privé ou du secteur public. Il faut que les gens prennent conscience. Au niveau des commerces aussi. Nous sommes en train de subir un cercle vicieux, avec des impacts économiques, culturels, dans la formation. Le pays est totalement à l'arrêt. Voilà, ça devient la sécurité sanitaire, elle doit devenir une priorité nationale. On doit agir, on ne doit pas rester comme spectateur, il faut que les Welli, les services de sécurité, doivent nous aider à verbaliser les gens qui ne respectent pas ou mettent en danger justement la vie d'autrui. Verbaliser les personnes qui ne portent pas de masque dans les lieux publics, partout. Professeur Rachid Belhadj, aujourd'hui, au niveau des plages, comment agir et comment faire quand certains vous disent en plein air il n'y a pas un gros risque, c'est au moment, dans les endroits seulement fermés où on risque d'être contaminé. Donc tout le monde prêche la vérité et tout le monde est devenu médecin aujourd'hui ou infectiologue. On dirait que le Covid, les gens ont peur que de la mort, n'ont pas peur de la souffrance, de l'hospitalisation, de la contamination. Avec des séquelles. On risque de changer de moyens de communication et d'information avec la population. S'il faut que leur montre nos décès, nos morts, et bien on le fera. Pour justement de dire que le virus est là, la mort elle est là, et vous mettez en danger la vie de vos parents, de vos amis et de vous-même aussi. Est-ce qu'on pourrait aujourd'hui, par rapport aux statistiques qui sont communiquées, certains disent qu'on ne tient compte, on le dit depuis le début de cette pandémie, qu'on ne tient compte que des tests PCR qui confirment la contamination. Mais vous avez d'autres tests aujourd'hui, par exemple antigéniques, qui confirment que vous êtes atteint du Covid-19. Est-ce qu'il va falloir aujourd'hui revoir cette façon de communiquer qui semble ne pas tellement convaincre les personnes? Le langage des chiffres depuis longtemps. On l'a toujours dit. C'est des chiffres tenir noirs. Compte. C'est des chiffres noirs pour gérer des chiffres. Oui, mais les chiffres noirs peuvent parfois donner un sentiment d'assurance, or que la situation est catastrophique, c'est le cas au niveau des hôpitaux qui sont saturés. On n'a pas encore numérisé le secteur de la santé. C'est ça le vous problème. Vous ne pouvez pas avoir de vrais indicateurs en matière de chiffres. Sur le nombre de malades contaminés, sur le nombre de décès, sur le nombre... Il y a une plateforme, certes, mais cette plateforme, elle est au niveau du ministère, elle n'est pas remplie automatiquement. On reste toujours tributaire. Il y a des endroits où ils n'ont pas encore de logiciel, des urgences, c'est toujours on écrit à la main des registres, etc. C'est un autre débat. L'informatisation, la numérisation de la santé reste aussi une priorité importante pour nous. Alors, dernière question de l'auditeur qui vous dit, à l'approche de la fête de l'Aïd al-Adha, est-ce qu'il va falloir aussi observer des mesures de distanciation, comme ce fut le cas l'année dernière, où il y a eu une large campagne de médiatisation pour sensibiliser la population sur la nécessité d'observer les mesures barrières, parce qu'on va rendre visite aux personnes âgées, elles sont extrêmement vulnérables, même si maintenant, avec le alpha, tout le monde peut être contaminé. La période du mois d'avril, mais on était quand même très rassurés, optimistes, qu'on allait passer au moins un été calme. Ce n'est pas malheureusement, calme, donc. Donc nous avons perdu cette chance, cette illusion d'en terminer avec le... Mais quand vous organisez une fête avec 400 personnes... Le problème est là. Le problème de fond n'est plus maintenant technique, n'est plus question de problème de moyens ou d'organisation ou de présence de l'effectif du personnel de la santé, soit du public ou du privé, un problème de comportement de l'individu, du comportement du citoyen. D'où les autorités devraient agir. Professeur Rachid Belhadj, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci, c'est super. Et bonne fête d'indépendance à tous les Algériens et Algériennes, là où ils se trouvent, vivre notre pays, bien sûr, libre et indépendant. Merci beaucoup, merci professeur Belhadj. Merci beaucoup, une fête de la jeunesse aussi.